Les Hachamim nous demandent de faire attention à préserver notre santé et éviter tout danger. Venishmartem me'od lenafshotechem. La personne doit tout faire pour protéger le cadeau que Hakadosh Baruch Hu lui a donné, à savoir la vie, la santé. Entre autres, il y a des prescriptions dans la Gemara en nous disant qu'il faut faire attention à certaines choses, même si elles sont de l'ordre du métaphysique, pas seulement du physique. C'est quoi? Par exemple, ne pas manger betsa kloufa ou shum kalouf ou batsal kalouf chez avar alehem alayla. C'est-à-dire, si on a épluché un œuf, ou on a épluché un oignon, ou on a épluché un ail, et que la nuit a passé dessus, eh bien, dans ce cas-là, c'est dangereux de manger ces aliments. Sauf si il restait une partie de la peau. Ou bien même, par exemple, vous voyez, dans l'oignon, il y a comme des poils qui se trouvent à la racine, naron, ou bien même dans l'ail, nous avons comme ça des germes. Ça, ça protège, dans le sens où c'est pas complètement épluché. Alors le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que, bien que les Hachamim nous ont demandé de faire attention à cela, mais Bedi'avad, si la nuit a passé, on ne va pas jeter l'ail, tous les os au pluriel. Ail, au pluriel, c'est les os. Les oignons, les œufs, on ne va pas les jeter à la poubelle. Bedi'avad, on peut les manger. Ou encore, si ça a été mélangé avec une salade ou dans un plat, alors même si l'oignon ou l'ail ou l'œuf était complètement épluché et que la nuit a passé, ce n'est pas grave. Puisque c'était mélangé, ce n'était pas dans l'état initial. Ou dit-il que peut-être même, vous savez aujourd'hui, ils vendent de l'ail moulu, séché et moulu. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça, les khathila, d'assaisonner nos salades avec la poudre d'ail? Il dit que peut-être qu'étant donné que ça a changé de forme par rapport à la forme d'origine, ce serait permis. Il conclut en disant « Vetzarich Eyoun ». Ça veut dire il faut réfléchir, il faut encore chercher, dans le sens où la logique veut que quand les Hachamim nous ont dit qu'il faut faire attention sur le plan du danger de ne pas consommer ce genre d'aliments, peut-être que c'est seulement lorsque c'était à l'état initial, mais pas quand ça a subi une transformation et que ça se présente dans une forme différente, ou bien même si ça a frit ou ça a bouilli aussi, c'est pas comme dans l'état d'origine. Alors il y a lieu de permettre, dans tous les cas de figure, même si a priori il faut faire attention, mais a posteriori il ne faut pas jeter à la poubelle. Pour